Alors, monsieur, vous avez expliqué les ions, la formation ou le type des ions et la formation des ions. Très bien, vous êtes vraiment, vraiment, vous êtes de bons profs. On sait, on sait. Très bien. Alors, maintenant, c'est le tour de moi de faire l'explication ou de mettre quelques points, mettre quelques points sur le mot principal. Comme Amal m'a demandé c'est quoi le devoir que j'ai demandé pour demain, vous pouvez m'envoyer le devoir jusqu'à jeudi le matin. OK? Yeah. Monsieur, on a des ions. Vous avez donné des exemples pour les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Alors, quels sont les ions qu'il faut mémoriser, qu'il faut étudier? Vous êtes responsable de savoir le nom de ces ions. Yalla, je commence. Donc, le nom est le symbole de certains ions. Monsieur, Oui. on peut la définition ou type ou la formation à Hala, cahier. est-ce qu'il m'a fallu te couler 2 pages ou 1 page? Basse définition zrir et type selon la charge, type selon le nombre d'atomes. Ma exemple, Al-Meshil, vous avez déjà étudié ça. Vous avez préparé de bonnes présentations, monsieur. Vraiment. Oui. Ion sodium. Na+. Ion potassium, K+, ion magnésium, Mg2+, ion calcium, Ca2+, ion aluminium, symbole AL3+. Al3+, لأنه كنتم حاضرين بالباوربوينت ايون الومنيوم. طيب ايون زنك Z1+. 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 ايون كويفر Cu2+. ممكن نشوف ايون كويفر 2. طيب ايون فيرو Fe2+. Fe-. Fe2+. Ion ferrique Fe3+. Ion ferrique. Fe3+. Je vois dans l'article. Ion argent. Ag2+. Non. C'est Ag+. Ag-. Ion or. Au3+. بعد باتكون non ايون بلومب Pb2+. يسس بس يكون اسم الاتوم بعده مثل ما هو يعني ما انه ايون نيجاتيف سي ايون بوزيتيف ايون nickel Ni2+. Ion barium Ba2+. Fin de l'ion mercure Hg2+. Mais qu'à fou. Bizier, on va l'adder à 1000.
Le plomb, c'est 2 plus ou 3 plus? 2 plus. Ion plomb, c'est Pb 2 plus. Mais nous avons l'ion négatif. Il y a. Jésus. Ion. Oui. Fluorure. Affaire-moi. Ion. Chlorure. C'est allez-moi. Ion. Bromure. B arrête-moi. Ion. Iodure. I moi. Ion oxyde. O de moi. Ion sulfure. As de moi. Ion nitrure. Anne, trois mois. Ion, phosphore. P, trois mois. How do you say l'ion négatif comme ion monoatomique ou l'ion positif comme ion monoatomique? حلوين ما هيك؟ Oui. يا بنروح هلا على كلكو ايون بولي اتوميك مش حكيت لكم ايون شي 100 وحده بس طيب بنروح استاذ عندنا ايون امونيوم NH4+ ايون اوكسونيوم تذكروها كثير منيح للاوكسونيوم H2O او بلس كيف جايب الفيش؟ لا ما خص الفيش لانه هيدي ال H2O او بلس هيدي الفورمول حتستعملها كثير بدرس اسيدو باز يا ايون هيدروكسيد HO-. Ion nitrate. NO3-. Ion carbonate. CO3-. Hydrogénocarbonate. Ion hydrogénocarbonate. HCO3-. HCO3-, bravo. Ion phosphate. PO4, 3 mois. Ion sulfate. C'est SO4, 2 mois. Bilmabda Estes, how do you ion le plus utilisé? Bibana, Zamara. يعني ايون مش مرقه معنا هون انتم بتطلعوها عن الجوجل مثلا من خلال الدفوار بس اكيد بالامتحان ما بكون معكم ولا ايون مش ماخذينها واذا رجع مرق معنا شيء ايون انا نسيها بحكي بقول لكم عنها Oui, parce qu'on doit faire entrecroiser pour l'intérêt de la formule statistique. On a fait un degré de hâte. هلا بنشوف يا استاذ خلينا اول شيء التابر التاب
Vous avez terminé? Non, non, c'est pas encore. Bien. Monsieur, Oui. ion or A4 3 plus ou Non, AU c'est 3 AU 3 plus. D'accord. Le symbole de l'atome d'or, c'est AU. استاذ بس تخلصوا اعطوني خبر يا بون je veux prendre l'appel في عندي 4 élèves Monsieur, في عندك فرح محمد عطية علي شمس الدين وبعد حدا يلا شوفوا لي من هيدا الحدا اللي خلص مسيو ماي وماي اوكي يلا فاذا عندنا ماي طالب وعندنا محمد عطية وعنا فرح وعنا علي شمس الدين ميرسي كتير لكم مش بحس انه الكل خلص ما بعرف سيفيني خلصنا اوكي ساكتين بدهم يضيعوا وقت آية هادي آية صاحب الإحساس اوكي طيب Maintenant, méthode. Estes, Farah waiting room, bel waiting room. Je sais. D'entrecroiser. C'est quoi la méthode d'entrecroiser? Alors, pour écrire la formule d'un composé ionique, on fait la méthode d'entrecroiser. On a déjà expliqué ça en classe 8. Comment on fait la méthode d'entrecroiser? Si on a un ion positif et un ion négatif, bien sûr, il y a une attraction pour former une liaison ionique et par suite, formation d'un composé ionique. Exemple, si on a un G de plus et on a Cl-, comment peut-on faire la méthode d'entrecroiser et comment peut-on donner le nom du composé obtenu? Non, c'est deux, là, le CL. Est-ce le symbole, toujours l'ion positif au début. Et puis, on écrit l'ion négatif.
Ou le nom, c'est Raquel. On a ici Amjad de plus et ici, il y a c'est Al-Moi. Pour faire la méthode d'entrecroisé, on multiplie le nombre de la charge positive par l'indice de l'atome de charge négative et le 1 de ces ions négatifs par l'indice de Mg. Ça devient Mg Cl2. Donc, on écrit au début l'ion positif, puis l'ion négatif. Mais pour donner le nom, c'est chlorure de magnésium. De magnésium. Autre exemple, si on a Z1 de plus et O de moins, dans ce cas, l'ion positif et l'ion négatif ont le même nombre de charges. Ce n'est pas nécessaire de faire l'entrecroisé directement, on écrit Z1O. On ne fait pas Z1-2O2. Chimiquement, vraiment, on ne peut pas trouver un composé Z1-2O2. C'est oxyde de magnésium. De zinc. Diana. Anna. Ok. Essayez de regarder le zinc perd deux électrons et un atome d'oxygène gagne ces deux électrons. Mais dans le premier cas, le magnésium perd deux électrons, mais un atome de Cl peut gagner un électron. Pour cela, on a besoin de deux Cl. Water? Oui. Oui. Alors, on peut faire autre application. Par exemple, si on a Ca de plus et un en trois mois. Hala, ça fait un ion polyatomique. Dans le cas d'un ion polyatomique, première étape, de faire une parenthèse. Bas min khalli charge bar. Et si on a le 2, et si on a 1. Le 1 multiplié ici et le 2 multiplié ici. Alors, c'est Ca 1 en 3 deux fois. Mais je me nomme deux fois 1 ou deux fois 3. Haïda, l'ion est 1 en 3. Il y a quel Ca de plus? Il y a 2 1 en 3 moins. Il y a 1 de plus ou 1 de plus moins. Il y a une charge positive et des charges négatives. شو بنسميها؟ نيترات كالسيوم دي نيترات كالسيوم نو نيترات دو كالسيوم Vous écrivez? Oui. C'est suffisant, monsieur, pour la méthode d'entrecroisé? Oui, ben, j'ai toujours pas compris. On doit la faire dans l'exercice. Voilà, on doit directement écrire le symbole. Allah wa abrik badou la formule unitaire. Ok.
Oui. Yeah. La mole ion. Comme on a travaillé mole atome, mole molécule, on va travailler sur la mole ion. La mole ion est une quantité de matière qui contient un nombre d'Avogadro des ions. Yann, quelle une mole ion fait alba un nombre d'Avogadro de cet ion? Exemple, une mole de ion H3O+ contient un nombre d'Avogadro, un ion de H3O+, c'est-à-dire elle contient 6,023 fois 10, 23 ions de H3O+. ماشي الحال يا استاذ؟ وي سي اون ا ان كومبوزي ايونيك مانتينو ان مول دان كومبوزي كونتيان ان نومبر دافوغادرو دو سو كومبوزي correspond à une masse molaire de ce composé. مش هيدا الكومبوزي ما له ماس. فإذا استاذ كل مول مثلا إذا عندنا كلورور دو مغنيسيوم كل اون مول دو كلورور دو مغنيسيوم يعني هو سي 6,023 فوا 10 23 اونيتي le chlorure de magnésium, yani ça correspond à la masse molaire de chlorure de magnésium. Mais si on a un nombre de moles, un mol d'un composé, yani de ce composé, ça correspond à X composé donne masse de ce composé. نفس الايدي استاذ اشتغلنا فيها بالاتوم وبالمولكيول بس هون حنستعمل كلمه يونيتي يعني كم ام جي سي ال 2 حيكون في عندي اكس ام جي سي ال 2 يعني اكس يونيتي يعني نوبر يونيتي دو ام جي سي ال 2 bien sûr on va faire des applications. Alors, on arrive à cette relation N égale M sur masse molaire égale à X sur NA. Le N, c'est le nombre de moles du composé. Petit M, c'est la masse du composé. Grand M, c'est la masse molaire du composé. X, c'est le nombre d'unités de ce composé. Et un 1, c'est le nombre d'Avogadro. Monsieur, s'il vous plaît, Taïda, Taïda, je vais vous donner un petit peu de temps. C'est quoi le 1, Yahadi? C'est le nombre. Nombre de quoi? De... Le 1, c'est le nombre de moles. Le petit M, c'est la masse de mol. C'est la masse de ce composé. Le oui. Grand M, c'est la masse molaire de ce composé. Le X, c'est le nombre d'unités de ce composé. Le N1, c'est le nombre d'Avogadro.
بس مسيو وي أمان في مفروض سارة وفاطمة وشي ما فهموا عليك وشي هيك ما كتير استوعبت بس انه في شي هيك طب ما يسألوا شو بدهم تكرم عينهم وي سارة اي فاطمة Là, monsieur, on n'avait pas appris ça, mais ça va maintenant, c'est compris. Ah, maintenant, ça va. Sûr? Oui, ça va. Faisan, c'est comme on a travaillé bel molécule ou bel atome. Vous avez écrit ça? Oui, monsieur. C'est fini? Oui. Yal. Calculez le nombre d'ions contenus dans 2 moles ion hydroxyde. Bien sûr, d'aimant beaucoup de mana. Nombre d'Avogadro, 6,023 fois 10 à la puissance 23. Aïe, donné, nous avons besoin de l'utiliser, Oustaz. استاذ هل ابلكيشن بالكور؟ وي اوكي alors qu'est-ce qu'on demande de trouver nombre d'ions c'est quoi le nombre d'ions x x de h en moins c'est inconnu c'est quoi 2 moles ion n c'est le n Et on non, a oui, le n égale x sur na. N égale x sur na. Deux fois 6 fois 10 exposant. Alors, 3. X de h en moins, ça est égal à n fois nombre d'Avogadro. C'est égal à 2 fois 6,023 fois 10, 23. C'est égal à 6,402. 1 fois 10 exposant 24 quoi unité non c'est ion mais je composé mais le composé il y a un mal une unité ok ici c'est le nombre d'anions le H en moins d'accord quel est le type de H en moins anion polyatomique bravo استاذ في كل يوم تنزل الحصة؟ هلا استاذ مباشرة. اوكي. مشي امتى نقول انيتي؟ لما يعطيني كومبوزي حنشتغل عليهم استاذ. بقلكم ميرسي بور فوتر اتونسيون، سي سوفيزون بور اوجوردي. سولوي qui va terminer, il peut sortir. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. De rien. Merci, monsieur. De rien, Hadi.